Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre ici cet exercice qui commence là, qui s'arrête là, en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. Eh bien, à vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. Bien évidemment, en seconde partie vidéo, je dévoile l'arnaque, là où les arnaques, pardon, et j'indique une correction valide. Avant de commencer, donc avant de lire cet énoncé, j'ai tiré cet énoncé du sujet XENS ESPCI section PC 2024, donc il y a quelques jours. Voilà, les PC aussi ont droit à ce que je remue le couteau dans la plaie juste après le traumatisme, il n'y a pas que les MP. Blague à part, voilà, j'ai pris des questions du sujet un peu à des endroits un peu éparpillés du sujet, donc ça reste quand même cohérent, je pense. J'ai gardé certaines notations du sujet, j'en ai changé certaines, voilà. Ceux qui ont vu le sujet pourront constater peut-être que mes notations sont un peu différentes. C'est parti. D désigne un entier strictement positif. J'aime bien ce verbe désigner que j'ai pas employé depuis un moment. On désignera, donc ça c'est le sujet, par OD de R égale donc l'ensemble des M appartenant à MDR. C'est quelle idée d'appeler cet ensemble MDR, à part voilà, ID, MDR, tout ça c'est la notation. L'ensemble des matrices en fait à coefficient réel de carré de taille D, tel que M transposé fois M égale la matrice identité de taille D. Donc j'aime pas du tout cette notation pour la transposition, mais je m'adapte, voilà, je lâche du lest, je fais des compromis, voilà, j'accepte qu'on mette MT au lieu de mettre un petit T tout mignon à gauche, comme j'ai l'habitude de faire, donc M transposé fois M égale identité. Ok, on désignera par ce machin, du coup, le groupe orthogonal, voilà, ok. On munit MD1R, donc l'ensemble des matrices colonnes à D coefficients, du coup, déligne une colonne, de sa structure euclidienne canonique. On notera X scalaire Y, bien, la transposée de X fois Y, le produit scalaire canonique sur MD1R. Donc si X et Y sont des éléments de MD1R, leur produit scalaire, ça fait ça. Et machin, la norme associée. Donc pas les mêmes notations exactement que le sujet. Le sujet dit et annonce clairement, comme on le fait parfois, qu'il fait l'amalgame entre les colonnes et les vecteurs de RD. J'ai préféré ne pas le faire parce que bon, le sujet, il y a peut-être intérêt dans d'autres questions. Moi, j'y ai pas forcément intérêt dans le bout que j'utilise. Et pareil, pour la norme associée, il garde ça pour une autre norme. Moi, je garde ça pour ma norme ici. Ok. Petit 1. Soit R appartenant à OD de R. Donc à cet ensemble-là, vérifiez que dette de R, le déterminant de R, appartient à moins 1, donc est un élément de vaut soit moins 1, soit 1. Soit petit 2, soit lambda appartenant à R, montrez que si lambda est une valeur propre de R, alors lambda appartient à moins 1. Donc moi, mon souci là, c'est de rendre le sujet accessible aux premières années. Ma cible principale pour l'instant. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ce que c'était qu'une valeur propre, je ferai un tout petit rappel avant d'attaquer la correction à proprement parler de ce que c'est qu'une valeur propre. Petit 3, montrez que si dette de R égale moins 1, alors dette de R plus ID égale 0. Petit 4, on suppose que dette de R égale moins 1. Petit A, montrer qu'il existe une base orthonormée X1 jusqu'à XD de MD1R telle que l'on a RXD égale moins XD, et XD transposé fois R fois X égale 0 pour tout X appartenant à E1. Mais qui est E1? Bah ça tombe bien, ou E1 égale vect de X1 jusqu'à XD moins 1. Ok. Petit B, en déduire que R de E1 égale 1. Là je me suis fait un peu piéger. J'aime pas trop cette notation, je comprends pas, voilà, ailleurs dans le sujet il la précise, j'ai pas vu, je suis pas très fan, R ça reste quand même une matrice, vous avez beau faire l'amalgame que vous voulez entre les matrices colonnes et les vecteurs de RD, mais R ça reste quand même une matrice, et non pas une application linéaire, donc même si elle peut représenter, machin, un endomorphisme, blablabla, donc voilà, ils utilisent cette notation, que bon, je suis encore une fois pas fan, mais on désigne par R de E1 l'ensemble du coup des RX, avec X appartenant à E1, donc ça serait, ça correspondrait, je pourrais poser un endomorphisme sur MD1R, et qui a une matrice colonne de MD1R associerait R fois cette matrice colonne. Et là, ça aurait du sens de parler de l'image de E1 par cet endomorphisme. Bon. Donc il faut montrer que l'ensemble des RX avec X appartenant à E1, ben, ça ne fait encore E1. Voilà, voilà le gars se permet de critiquer les notations dans des sujets de l'X, ça y est. On ne se sent plus. C'est parti. Alors, avant de commencer, pardon, donc, du coup, petit rappel sur... Alors, temps conseillé, peut-être, avant de commencer, ben, je sais pas, moi, c'est assez long. Peut-être, je sais pas, c'est vraiment au jugé comme ça, 45 minutes au moins de réflexion et de recherche avant de regarder la correction. Enfin, 45 minutes à vous casser les dents. Si vous avez trouvé avant et que vous voulez vérifier, bien sûr, vous vérifiez avant, mais ouais, ça me semble raisonnable, voire, voilà, si... voire une heure, je sais pas. C'est peut-être un peu comme ça. À l'emporte-pièce. Donc... Qu'est-ce qu'une valeur propre? Donc, on dit que lambda appartenant à R, on reste sur R pour ici, on dit que lambda est une valeur propre, donc je me permettrai de l'écrire comme ça,
de R, de la matrice R, si et seulement si il existe une matrice colonne X appartenant à donc MD1R non nulle, donc privée de la colonne nulle, MD1R privée de la colonne nulle, telle que RX égale lambda X, tout simplement. Tout simplement. Voilà ce que ça veut dire. Après, voilà, ça peut. Il y a d'autres équivalences. Les deuxièmes années sont largement avantagées parce que bon, peut-être qu'ils voient à quoi c'est équivalent de dire des trucs pareils, mais en tout cas, voilà ce que vous avez besoin de savoir pour pouvoir traiter le sujet. Et ben on peut attaquer. Bon, petit 1, on avait dit soit R appartenant à OD de R, vérifier que dette de R appartient à moins 1. Donc vaut soit moins 1, soit 1. Donc OD de R, je rappelle que c'est l'ensemble des matrices de MD de R telles que la transposée fois la matrice fait l'identité. Donc, soit R appartenant à OD de R, donc bah, qu'est-ce que je sais, moi? Moi, je sais que R transposé fois R égale l'identité. De taille, D. ID, ouais, voilà, je vais avoir I indice D. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Bon, bah, on parle de déterminant. Il serait peut-être judicieux de regarder ce que fait le déterminant de ça. D'où, dette de R transposé fois R égale le déterminant de la matrice identité qui, comme tout le monde le sait, enfin, tout le monde le sait pas, en tout cas, comme on le sait, fait 1. Alors, dette de R transposé fois R, qu'est-ce que je peux faire avec ça? J'ai le déterminant d'un produit. C'est le produit des déterminants. Voilà, quelques petites propriétés sympatoches sur les déterminants devraient venir à bout de cet énoncé. Dette de R transposé fois dette de R égale 1. J'ai encore une autre propriété. Le déterminant d'une matrice est égal au déterminant de sa transposée. Ça me fait donc que le déterminant de R fois le déterminant de R, autrement dit le déterminant de R, le tout au carré, égale 1. Parfait. Je veux montrer que le déterminant de R vaut soit moins 1, soit 1. Il me reste à dire que, bon, je fais du zèle un peu ici, c'est le début, et dette de R, c'est un réel. R est une matrice à coefficients réels, son déterminant aussi. Donc, eh ben, vous me parlez d'un réel dont le carré fait 1. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ce zèle inutile. Connaissez-vous des nombres complexes dont le carré fait 1 autre que moins 1 ou 1? Non, en fait. Donc, bon, là, j'ai fait du zèle un peu inutile. Donc, dette de R appartient à moins 1, 1, voilà, comme ici, comme demandé. Hop, un peu de un coup de rouge, tac, pour faire genre. Ensuite, soit lambda appartenant à R, montrer que si lambda est une valeur propre de R, alors lambda vaut soit moins 1, soit 1. Ok, d'accord, donc si lambda est une valeur propre de R, donc ils m'ont déjà introduit le lambda réel, bon, qu'est-ce qui fait ça, pardon, si lambda valeur propre de R, je me permets cette abréviation que vous ne vous permettez pas le jour J ou alors en l'ayant précisé avant. Valeur propre de R, alors, eh bien, il existe une matrice colonne X appartenant à donc MD1R privé de la colonne nulle, telle que, eh bien, RX égale lambda X. Moi, j'ai envie d'aboutir au fait que lambda vaut soit moins 1, soit 1. Qu'est-ce que je peux bien faire? Moi, je sais quoi sur R? Je sais un résultat sur la transposée de R. Je sais un résultat qui lie la transposée de R et R, quoi. Transposée de R fois R, bah, ça fait 1. Ça fait, pardon, n'importe quoi, ça fait la matrice identité. Mais si je multipliais à gauche, des deux côtés, par la transposée de R. D'où R transposé fois R fois X égale R transposé appliqué à, ce, à cette colonne, donc le lambda qui est un scalaire peut être mis à gauche, R transposé fois X. Ok, sympathique ça. Je sens que je vais venir à bout du truc assez rapidement. Parce que ça, ça fait l'identité fois x, et R transposé fois x, ça fait aussi lambda x, en fait. Donc, eh bien, R transposé, donc je vais laisser l'étape pour après, pour bien être sérieux, quoi, ça fait lambda fois lambda x. Ça fait lambda carré x. Autrement dit, identité fois x, matrice identité fois x, donc x égale lambda carré x. Ok. C'est-à-dire, si je veux vraiment bien préciser les choses, et n'être accusé d'aucune nonchalance, 1 moins lambda au carré, le scalaire qui est là, fois x, égale 0, la matrice colonne nulle, avec x qui n'est pas la matrice colonne nulle. Donc, 1 moins lambda au carré est égal à 0. Et enfin, lambda appartient à cet ensemble. Vaut soit moins 1, soit 1. La chose est pliée. Ok, bon, pour l'instant, des questions plutôt faciles, plutôt sympatoches. Petit 3, montrer que si dette de R égale moins 1, alors dette de R plus ID égale 0. J'ai une idée, sans mauvais jeu de mots. Je suis assez... jeu de mots cheap, là. Je suis dette herminé à... Enfin, je
construire un truc. On verra. On verra ce que je peux en dire. Bon, partons sur de bonnes bases. Alors, sans mauvais jeu de mots, les PC, j'espère que vos épreuves de chimie vous partirez sur de bonnes bases. Bon, on arrête vraiment. Dette de R égale moins 1. Donc, si dette de R égale moins 1. Là, j'aurais dû me faire une liste avant de commencer la vidéo de calembours et de jeux de mots divers et variés. Si dette de R égale moins 1, eh bien, qu'est-ce que je peux faire avec dette de R plus ID? Bah, le ID, là, il est un peu suspect. Enfin, je sais pas, moi, ID, j'ai envie de te décomposer, enfin, plutôt de t'écrire comme étant R transposé fois R, quoi. Bon, dette de R plus R transposé fois R, ça me fait donc... Alors, j'ai envie de factoriser à l'intérieur, à droite par R, donc ça fait dette de ID plus RT fois R. Ok, bon, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux dire, par déterminant d'un produit, que c'est dette de ID plus RT fois dette de R. Oui, mais ID plus RT, là, ce n'est autre que la transposée de R plus ID, quoi. Ah bon, j'en profite pour les mettre dans le sens qui m'arrange, mais ça revient même. Donc, ça, c'est la transposée de ça. Fois dette de R. Donc, c'est égal, par égalité du déterminant d'une matrice carrée avec le déterminant de sa transposée, dette de R plus ID, c'est égal à dette de R plus ID, pardon, je voulais dire, fois dette de R. Donc, je me retrouve avec cette chose qui est égale à cette chose. Autrement dit, dette de R plus ID, donc si j'ai cette égalité, ça égale ça. R plus ID, si je passe dette de R plus ID, enfin si je mets ça, moins ça égale 0, ça fait dette de R plus ID, facteur de 1 moins dette de R, égale 0. Sauf que bah, dette de R, ça fait moins 1. Bah, c'est-à-dire que 1 moins moins 1, c'est-à-dire 2, 2 dette de R plus ID, ça fait 0. Et enfin, dette de R plus ID est égal à 0, tout simplement. Voilà, petite formalité, qu'est-ce que tu fais là, toi? Sur ma copie, pardon, dette de R plus ID égale 0. Terminé. Bon, là, on nous fait supposer que dette de R égale moins 1, et on demande de montrer qu'il existe une base orthonormée X1 jusqu'à XD de MD1R, telle que RXD égale moins XD, et pour tout X de cet espace vectoriel-là, de l'espace vectoriel engendré par X1 jusqu'à XD moins 1, et ben XD transposé fois R fois X est égal à 0. Comment est-ce que je peux bien faire? Bon, RXD égale moins XD déjà, ça veut dire quoi? Il faut que je trouve un vecteur, une matrice colonne, qui est un vecteur propre. Alors, j'ai pas dit ça, désolé pour les premières années. Là, on dit que, bon, c'est pas très important, mais pour nous ici, mais on dit que grand X est un vecteur propre de R associé à la valeur propre lambda. Donc, disais-je, il s'agit de trouver un XD qui soit vecteur propre de R associé à la valeur propre moins 1, tout simplement. Il faut en tout cas justifier que un tel XD existe. Mais ce qu'on vient d'établir, c'est que dette de R plus ID égale 0. Dette de R plus ID, on m'a dit que ça faisait 0 dans ce cas-là. Donc, on sait que dette de R plus ID vaut 0. Bon, qu'est-ce que je peux faire avec cette information? Ça veut dire que la matrice R plus ID n'est pas inversible. Si on peut jouer un peu de ces équivalences-là. Autrement dit, le Caire de cette matrice-là, pas en Égypte, bon, tant qu'à faire sur notre lancée, le Caire de R plus ID n'est pas réduit au vecteur nul, n'est pas réduit à la matrice colonne nulle. J'entends bien la matrice colonne nulle ici. Donc il existe, donc le Caire, il y a toujours la matrice colonne nulle, et éventuellement d'autres matrices. Donc s'il n'est pas réduit à la matrice colonne nulle, c'est qu'il y en a d'autres. Donc il existe XD, tiens, appelons-le comme ça. Alors je vais peut-être pas l'appeler XD tout de suite, il existe YD, appartenant à MD1R privé de 0, tel que, eh bien, R plus ID, YD, égale 0. Autrement dit, RYD, donc si je développe plus ID, YD, donc plus YD égale 0, autrement dit, RYD égale moins YD. Ah ben là, déjà, ça tombe bien. Bon, alors pourquoi je ne l'appelle pas XD tout de suite? Eh ben, il faut le normaliser, il faut que à la fin ce soit une base orthonormée. Mon X1 jusqu'à XD, ma famille X1 jusqu'à XD doit être une base orthonormée. Donc en particulier les vecteurs, les matrices colonnes qui la constituent doivent être de norme 1. Donc on va poser XD égale tout simplement, hop, posons XD égale 1 sur la norme de YD, qui n'est pas nulle parce que YD est non nul, important, fois YD.
Bah, c'est un vecteur, c'est une matrice colonne de norme 1. Norme de XD par homogénéité de la norme, vous sortez ça, ça fait valeur absolue de ça qui fait toujours ça, fois la norme de YD, ça fait 1. Norme de XD est égale à 1. Déjà, c'est cool, ça. Ouais, mais comment pondre X1 jusqu'à XD-1, maintenant? Bon, alors, il faut réfléchir assez rapidement à ce genre de situation, enfin, dans ce genre de situation, en se disant... Enfin, une injonction un peu bizarre, quand même, ce que je fais là. Mais il faut que XD transposé soit égal à tous les RX pour tous les X de ce vect. En particulier, ce serait vrai, en fait, pour tout K de 1 à D-1, il faut que XD transposé fois R fois XK soit égal à 0. Et ça suffira par linéarité à prouver que c'est vrai pour tous les X du vect. Ben, moi, je tiens une matrice colonne XD. Mais je vais tout simplement parler de l'orthogonale de XD dans l'espace vectoriel MD1R, l'orthogonale de X, ce que j'entends par l'orthogonale de XD, c'est l'orthogonale de vect de XD, dans MD1R, eh bien, vect de XD orthogonal, qui est égal à l'ensemble des X appartenant à MD1R, tel que le produit scalaire avec XD, phase 0, eh bien, cet ensemble-là, et ce sous-espace vectoriel-là, en fait, c'est un sous-espace vectoriel de MDR, est de dimension D-1. Oui, c'est ça, D-1, j'ai eu un petit doute. D-1, oui, parce que cet espace vectoriel vec de XD sont supplémentaires, et son orthogonal sont supplémentaires dans MD1R de dimension finie D, et comme vect de XD est de dimension 1, eh ben, il reste tout simplement une dimension D-1 à l'orthogonal de vec de XD. Bon, eh ben, ce qui me reste à faire, c'est de prendre une base de cet espace vectoriel. On va réfléchir un peu. Et une base, en fait, il faut pas oublier qu'à la fin, tout doit être orthonormé. Je peux toujours m'assurer, par le processus notamment d'orthonormalisation de Schmitt, que je suis pas obligé de mettre en œuvre, hein, je peux juste en parler, ce qui est bien au programme des PCSI, j'ai vérifié. M'assurer que ce sous-espace vectoriel a bien une base orthonormée en soi. Donc, posons soit... alors, le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'après, c'est Rx... Enfin, ce qui est demandé, c'est que XD transposé soit orthogonal à tous les Rx, et non pas aux X de cet espace vectoriel. Donc, ça sera juste le truc qu'il faudra rajouter. Je vais juste dire que Y1 jusqu'à YD moins 1 une base orthonormée de cette orthogonale. Donc, j'ai l'assurance qu'elle existe, une base existe et je peux l'orthonormaliser pour que ce soit une base orthonormée. Moi ce que je veux c'est avec Rx, c'est parfait. La multiplication par R. R est une matrice inversible. Car dette de R est différente de 0. CF, la question 2, qui m'a dit que le déterminant de R, c'était soit moins 1, soit 1. Et bien, c'est parfait. Donc, en multipliant par R, je ne change pas la donne. RY1 jusqu'à RYD moins 1, et bien, c'est parfait. C'est une... Donc, je ne perds pas rien en termes de liberté. C'est bien une base orthonormée de... c'est encore une base orthonormée de vect de... XD orthogonal. Et ça, c'est cool. C'est très important de rappeler que R est inversible ici. Sinon, ça marche pas, mon argument. Et ça, c'est cool, parce que du coup, pour tout K appartenant à 1 des moins 1, eh bien, XD transposé fois R... j'aurais pu les appeler, en réalité, je me rends compte d'un truc... Tiens, je vais les appeler x1, xd, xd-1 directement. rx1 jusqu'à rxd-1. Eh bien, xd transposé fois r fois xk, ça me fait 0. C'est nickel. Et par linéarité, à droite, du produit scalaire, et par linéarité de la multiplication matricielle aussi par r, bien sûr, il tombe assez facilement, je pense que vous en conviendrez, que pour tout x appartenant à E1, qui n'est autre que le vect de x1 jusqu'à xd-1, xd transposé rx égale 0, tout simplement. Ouais, j'ai hésité un peu pour être sûr que tout se passait bien, mais tout a l'air de bien se passer.
tout a l'air de bien se passer avec la liaison. Alors B, en déduire que R de E1 égale E1. Donc R de E1, on me rappelle que c'est l'ensemble des Rx avec X appartenant à E1. En fait, c'est tout simplement, j'aurais pu noter ça plus simplement. Non, j'aurais pas noté, genre non, j'ai eu un petit doute, j'ai hésité à parler de IM ou quoi, mais non, c'est R de, enfin, c'est cet ensemble, tout simplement. Ok. Alors, R de E1 égale E1. Ok. Comment je fais? Qu'est-ce que c'est qu'un élément de R de E1? Donc, soit Y appartenant à R de E1. Donc, on dit que c'était cet ensemble, pour rappel. Hein. Des Rx avec X appartenant à E1. Donc, il existe un X appartenant à E1, tel que Y égale Rx. R fois X. Il faut montrer que cet élément appartient encore à E1. Et comment j'ai défini E1? Eh bien, en fait, c'était tout simplement l'orthogonale. L'orthogonale de donc de vect de x de vect de xd, tout à fait. Donc pour montrer que y, donc je veux montrer que qu'est-ce que je veux montrer? Pour montrer que y, c'est ça, que y appartient à E1, parce que je prends un élément de R2 pour montrer qu'il appartient à E1, et ben c'est tout simple, ben il faut montrer que, donc écrivons-le, ce qu'on veut montrer que y appartient à E1, appartient zut à E1, c'est-à-dire montrer que y appartient à vect de xd orthogonal. Ok, donc il s'agirait de montrer que... Ouais, c'est ça, j'ai eu un bug. Donc, bah, on va calculer, donc on va essayer de voir ce que fait xd orthogonal fois y. Xd orthogonal fois y, ça fait xd orthogonal fois rx. Eh ben oui, j'ai eu un petit doute tellement c'était simple. Eh ben en fait, comme avec x, on a dit qu'il appartenait à E1, je le rappelle, eh ben donc xd orthogonal rx, ça fait 0. Donc, y appartient au vect de xd orthogonal, et donc à E1. D'où le résultat. D'où r de 1 égale 1. Voilà. Voilà qui est parfait. Donc on s'est bien servi, en déduire, je suis rassuré, en déduire que R de 1 égale 1, ben je me suis bien servi rapidement de ce qu'il y avait précédemment. Où est-ce que je vous ai arnaqué? Bon, plusieurs points. Vous en doutiez peut-être, bon, il y a des arnaques plus subtiles que d'autres. C'est un peu pour noyer le poisson aussi. Donc, première question, je ne pense pas vous avoir arnaqué a priori, voilà, à part cet excès de zèle presque coupable, tout va bien. Question 2, pardon. Si lambda est valeur propre de R, alors machin. Grosse arnaque. Comment ça? Comment ça, RTX égale... oui, bien sûr, RTX égale lambda X. Non. RX égale lambda X, mais il n'y a pas de raison que RTX soit égal à lambda X. Par contre, si vous écrivez RX égale lambda X, en transposant cette relation, ça fait que transposé de X fois transposé de R égale lambda fois transposé de X. Donc ça donne envie de faire quoi, en fait? Ça donne envie de ne pas s'arrêter là, et de plutôt dire, multiplions encore à gauche par transposé de x. Ça fait x transposé r x égale lambda x transposé x. Quel est l'intérêt? R transposé fois r, ça fait l'identité. Vous vous retrouvez avec x transposé fois x, qui fait la norme de x au carré. Vous retrouvez aussi avec x transposé fois r transposé. On a dit que ça faisait lambda fois x transposé. Donc, pardon, ça c'était un lambda, voilà. Ça fait lambda fois x transposé fois x. Vous retrouvez avec norme de x au carré, qui est égal à lambda carré fois la norme de x au carré. Et par le même argument que ce que j'ai employé, enfin un argument similaire on va dire, mais comme le fait que x n'est pas la matrice colonne nulle, sa norme au carré est strictement positive, donc différente de 0, je peux diviser de côté, ça fait que lambda carré égale 1, et donc vous avez la conclusion voulue. C'était assez fort de café de vous faire croire que si je suis vecteur propre d'une matrice associée à une certaine valeur propre, eh bien je suis vecteur propre aussi de sa transposée. Il est vrai que les valeurs propres d'une matrice et de sa transposée sont les mêmes, mais ça ne dit rien sur les vecteurs propres. Ok. Ensuite, la 3, si dette de R égale moins 1, a priori, je vous ai pas douillé. Bon, alors, pour être honnête, j'ai un peu fanfaronné, voilà, super idée, etc. Bon, je vous ai enlevé une question intermédiaire de l'énoncé qui rendait ça relativement simple, qui était montrer, je sais plus ce que c'était, mais genre, avant cette question, il y avait une petite question qui permettait d'avoir la bonne idée, quoi. Avant cette question-ci, voilà. Ok. Ensuite, la 4. Ça commence bien, ça c'est un peu des rappels de cours sympas, pour les premières années ça permet de bien s'entraîner, pour les deuxièmes années de s'échauffer, donc ça c'est vrai, donc ça c'est tout à fait vrai. Alors, petite remarque que je voulais faire à ce moment-là de la vidéo, mais que j'ai oublié, donc à laquelle j'ai repensé à la fin, donc je la remets ici.
à l'attention des deuxièmes années, mais pas que. On aurait pu être tenté pour l'existence de YD, donc d'un vecteur propre de R associé à la valeur propre moins 1, on aurait pu être tenté de dire, ok, les valeurs propres possibles de R, les valeurs propres réelles possibles de R sont moins 1 et 1, le déterminant de R est égal à moins 1, donc il ne peut pas y avoir que 1, et donc bien moins 1 est valeur propre. Donc il y a un vecteur propre associé. Attention, le raisonnement ne tient pas la route. Il se peut, enfin on a dit, pardon, on a dit les seules valeurs propres réelles sont moins 1. Possibles, pardon, sont moins 1 et 1. Il se peut qu'il y ait des valeurs propres complexes non réelles. Donc en toute théorie, bon après on peut raisonner aussi effectivement en trigonalisant, etc. Et en se rendant compte que s'il y a une valeur propre complexe, sont conjuguées aussi avec la même multiplicité. Enfin, on peut rentrer dans d'autres considérations, mais en tout cas, juste raisonner comme ça serait faux. Raisonner juste en se disant ok, donc forcément là à ce stade je peux tout de suite dire que moins 1 est valeur propre, ce serait faux. Donc c'est bien, je pense que ce qu'on a fait là est bien, parce que ça permet de vraiment prouver que moins 1 est effectivement valeur propre. Voilà. Sinon il aurait fallu rentrer dans d'autres considérations, trigonaliser sur C, ce qui est toujours possible, et ensuite travailler sur la multiplicité, enfin le fait que si un complexe non réel est valeur propre, alors sont conjugués aussi, etc. Travailler sur le déterminant ensuite en mettant en évidence le fait que moins 1 est nécessairement valeur propre, sinon on s'en sort pas. Sinon on n'obtient pas un déterminant égal à moins 1. Voilà. Ok, MD1, dans MD1R, l'orthogonale est de dimension D-1, c'est tout à fait exact. Je peux prendre une base orthonormée de l'orthogonale de vec de XD. R est bien évidemment inversible. Ça veut donc dire que Rx1 jusqu'à Rxd-1 est une famille libre de l'espace vectoriel MD1R. Mais ça ne dit en rien que c'est une BON de vect de XD orthogonal. Rien ne dit qu'on reste dans vect de XD orthogonal, rien ne le dit. Et qu'on reste une BON, rien ne le dit non plus. A priori, rien. Je sais que vous savez peut-être des informations sur R, elle appartient à ODR, etc. Ça, c'est autre chose. Mais de dire ça comme ça, c'est fort de café. Que faut-il plutôt faire? Donc, effectivement, moi je sais qu'il existe x1 plutôt y1 yd-1 BON de vect de xd orthogonal. Et moi ce que je voudrais, c'est des vecteurs xk tels que xd transposé r, chaque xk fait 0. Oui, mais je vais faire en sorte que xk, si je pose xk égale justement r-1, donc transposé de r qui est l'inverse de r, R-1 fois YK, et ben le tour est joué, mais il faut faire attention. Donc déjà, est-ce que j'ai bien je me perds, ce que je voulais, c'est quoi? Je reviens à la question. Donc, j'ai ici, alors, montrer qu'il existe une base orthonormée de MDR telle que ça, ok, telle que donc X1 jusqu'à X1, etc. Donc XK c'est R transposé fois YK. Donc avec ces xk là, par construction, ça entraîne que xd transposé rxk, ça fait bien 0. Ça c'est ok. Et est-ce que les xk, ça donne x1 jusqu'à xd-1, ça fait bien une famille orthonormée, ouais, tout va bien. C'est ce qu'il faut voir. Il faut regarder tout simplement le produit scalaire de xk avec xk'. Xk transposé fois xk', c'est ça le produit scalaire de xk avec xk', quel que soit k et k' appartenant à 1 d-1, et ben ça fait quoi? Ça fait donc xk c'était ça, donc ça fait yk r transposé yk, et ça fait en fait, j'ai oublié quelque chose, yk transposé, c'est ça que j'ai oublié, donc ça fait, enfin, j'ai pas l'habitude avec les transposés après, c'est pas grave, ça fait identité, ça fait donc yk transposé yk. YK prime, excusez-moi. Et donc ça fait le produit scalaire entre YK et YK prime, en fait. Et comme la famille Y1, YD-1 est une BON de ça, c'est une famille orthonormée, ça reste vrai pour la famille de X1 jusqu'à XD-1, et ça reste vrai pour la famille de X1 jusqu'à XD, parce que XD est orthogonal à toutes les X1 jusqu'à XD-1 et qu'il est normé, de norme 1. Donc en fait, vous savez bien que X1 jusqu'à XD est une base orthonormée de votre espace vectoriel MD1 de R. Il y a le bon nombre de vecteurs, si vous voulez, c'est une famille orthonormée, c'est une famille orthogonale, du coup, elle est libre. Aucun vecteur n'est nul parce que chaque vecteur est de norme 1.
Elle est libre et de cardinal D, qui est la dimension de votre espace MD1R, donc vous êtes content. Donc vous avez bien une BON de MD1R qui vérifie la chose. Voilà. Donc c'était une grosse douille de ma part de vous avoir fait croire cette chose-là. R a beau être inversible, c'est bien gentil, tant mieux pour elle, mais ça n'indique pas ça. Ok. Donc voilà, ça marche avec en posant ces nouveaux XK. Donc XK égale R transposé YK à chaque fois. Avec Y1, donc c'est ça le truc, c'est que maintenant ça change un peu la donne pour la suite, c'est que si j'appelle vect de XD orthogonal, enfin, qui est vect de XD orthogonal, en fait c'est vect de Y1 jusqu'à YD-1. Et non pas vect de mes XK. Attention, ça change donc des trucs. Et dans la question 4B, je prends Y appartenant à R de E1, il est normal, vu ma conclusion précédente, que je veuille dire que ça soit vrai, enfin ça c'est ok, je m'intéresse à XD transposé de Y, et il est logique que je m'intéresse à ça, même en restant dans ma logique de ce que j'ai supposé à la fin de la 4A, là je n'ai fait qu'une inclusion, je n'ai fait que montrer que R de E1 était inclus dans E1. Je prends un élément de R de 1, je vous montre qu'il est dans E1, j'ai juste montré une inclusion, soyons honnêtes. Bon, a priori, vous devriez me sentir un petit peu moins tendu après cette ellipse temporelle. Je devais aller chercher quelqu'un à l'aéroport, et pour tout vous dire, j'étais en train de suivre le vol des yeux, qui avait un petit peu de retard, donc le trajet du vol, et en même temps de me dépêtrer, essayer de me dépêtrer quant à l'arnaque, et faire la part des choses entre l'arnaque et la bonne correction. Donc, à ce stade... j'ai soulevé l'arnaque de la. Enfin, j'ai mis en évidence l'arnaque de la 4A. Je vous ai indiqué une bonne correction de la 4A. Et maintenant, on arrive à la 4B. Et oui, j'ai indiqué que malgré. Enfin, que même si on partait. Enfin, la conclusion de la 4A, la bonne. Enfin, la bonne conclusion de la 4A change un peu la donne. Il y a une histoire de Y, de Y1 jusqu'à YD-1 qui change un peu la donne. Les YK, ce sont les RT. Les XK sont les RTYK. Donc, ça change un peu la donne. Et du coup, ça change qui est vect de XD orthogonal. Vect de XD, le tout orthogonal, c'est plus vect de X1 jusqu'à XD-1, mais vect de Y1 jusqu'à YD-1. Donc. Mais même en supposant ça, on a dit que du coup, on avait prouvé qu'une inclusion. Donc, ce qu'on va refaire là, c'est reprendre la 4B proprement, montrer que R de 1 égale E1 avec les nouvelles données de la bonne 4A, en quelque sorte. Voilà, pour être très clair. J'espère être clair. Ok. Donc, soit, logiquement, Y appartenant à R de E1. On va commencer par une inclusion déjà. Soit Y appartenant à R de 1. Est-ce que je commencerai, voilà, la question se pose, est-ce que je vais prendre Y appartient à R de 1 ou à E1? Ça me semble honnêtement revenir au même. N'hésitez pas, si en commentaire, enfin si vous avez testé inclusion de E1 dans R de E1 et vous trouvez que c'est plus simple, n'hésitez pas à le dire en commentaire, bon, flemme de chercher ce qu'il y a de plus optimal là, mais je vois comment me débrouiller pour R de 1 inclus dans E1. Par contre, j'ai besoin de quelque chose, il faut être précis sur un truc, on a dit... dans la question précédente, en fait, ce qu'on nous a fait établir dans la question précédente, c'était que ça est vrai pour tout x appartenant à E1. Donc, pour tout x appartenant à E1, ça est vrai. Donc, si x appartient à E1, alors ça est vrai. Autrement dit, on nous a fait établir que E1 était inclus dans l'ensemble des x appartenant à MD1R, tels que xdtrx égale 0. Mais en fait, on a établi, nous, en réalité, l'égalité. Pourquoi je dis qu'on a établi l'égalité? Parce que, donc ça il faut que je le précise, parce que si, à contrario, enfin réciproquement plutôt, je m'embête à dire des trucs comme ça, si xd transposé, si la transposée de xd fois rx est égale à 0, ça veut dire que rx appartient à vect de xd, l'orthogonale de vect de xd, pardon, puisque j'ai ça, le produit scalaire de xd avec rx qui fait 0. Mais ça veut dire quoi? Je rappelle que le vect de xd orthogonal, donc pour pas que je m'en mêle les pinceaux, là c'est plus le vect de x1 jusqu'à xd-1, c'est égal à ce qu'on a appelé c'est le vect de ce qu'on a appelé y1 jusqu'à yd-1. Donc ici rx appartient à ça, donc rx, il existe, bon je vais un peu vite sur mes quantificateurs, rx s'écrit somme pour k allant de 1 jusqu'à d-1, d alpha k, yk. Oui, et je rappelle que c'était quoi la relation que j'avais? J'ai perdu la feuille, ça m'énerve. Sans risque de me tromper. Oui, c'est que du coup, c'est égal à la somme pour k allant de 1 jusqu'à d-1, des alpha k,
Donc, c'est quoi le but là? C'est de prouver que. Oui, ça. Des alpha k, pardon. R xk, voilà. Donc, ça, c'est rx. Et du coup, enfin, en multipliant à gauche des deux côtés par R-1, matrice par RT, si vous voulez, et bah, ça fait que du coup, x égale la somme pour k. Alors, donc, R inversible. X égale somme pour k allant de 1 jusqu'à d-1 d alpha k xk. Et vous avez bien que x appartient à enfin e1 du coup. Donc vous avez x appartient au vecte de ce qu'il faut pour être dans 1. Donc e1 c'est vecte des x1 jusqu'à xd-1. Donc l'inclusion dans l'autre sens qui est assez triviale, qu'on a effleuré. Je ne sais pas si on l'a dit clairement dans la question précédente. Si on n'est pas sûr d'avoir dit clairement, c'est bien de l'établir comme ça. Donc le fait de dire ça là, ça caractérise e1. Donc ça caractérise l'appartenance de x à 1, pour être très clair. Ok, soit y appartenant à R de 1. Bon, qu'est-ce que je sais? Je sais qu'il existe un x appartenant à E1, tel que y égale rx. Bon, ça veut dire que... Donc qu'est-ce qu'on sait sur x? On sait que xd transposé fois r fois x égale 0. Ce qu'on aimerait montrer, c'est que y appartient à E1. C'est-à-dire... Puisque le fait d'être dans E1 est caractérisé par ça, ça voudrait dire que si je calcule xd transposé fois r fois y, ce serait cool que ça fasse aussi 0. Mais ça fait quoi ça? Ça fait xd transposé fois r x, donc ça fait r carré x. Et je sais pas comment je vais m'en tirer. Je sais pas comment je vais m'en tirer si j'oublie pas une propriété sympa de xd quand même. Xd, faut pas oublier qu'on nous a dit que rxd, c'était moins xd. Là, le r carré, on pourrait le faire disparaître comme ça, avec une idée comme ça. Donc si rxd c'est moins xd en transposant, ça fait que xd transposé r transposé, c'est moins xd transposé. Oh, mais là j'ai pas r transposé, ben, je le fais apparaître. Xd transposé r transposé. Alors justement, mauvais plan là. Si je fais apparaître un r transposé, ça me propose de faire du r cube. Justement. Donc c'est pas chez lui que je vais le faire apparaître. Je vais dire que xd, d'autre part, ouais, j'arrête mon calcul, j'ai le droit, je fais ce que je veux. Xd transposé fois r fois x, ce que je sais être égal à 0, égale aussi xd transposé, r carré, x boy, parce que r transposé, je rappelle que c'est l'inverse de r, donc ça fait bien r. xd transposé, r transposé, ça fait moins xd transposé, moins xd transposé, r carré x. Oh bah ça tombe bien. Et ça fait 0. Donc, je peux essayer de clarifier un peu là, égale 0, IE, ça égale 0. Donc ce que je veux est égal à 0, puisque son opposé est égal à 0. Enfin, XD, donc depuis tout à l'heure, je parle de 0 scalaire. Hein. Ça, c'est bien un scalaire. Enfin, X, enfin, une matrice de taille 1, qu'on peut assimiler à un scalaire. Enfin, XD, R carré X égale 0. Et donc, ce qui caractérise l'appartenance donc ce qui veut dire que XD, T, R, Y égale 0. Et donc, XD, j'écris un peu mal, je suis plus relax, mais j'écris plus mal du coup. XD transposé RY égale 0. Et enfin, pour de vrai, un vrai enfin, c'était un faux enfin celui-là. Et enfin, Y appartient à E1. Donc, R de E1 est inclus dans E1. En réalité, non, ça me va très bien, l'inclusion dans ce sens-là. Enfin, déjà, je vois ce qu'elle m'apporte, elle m'apporte autre chose, parce que enfin, ce que je veux faire là, c'est finir avec un petit argument de dimension. Je vais expliquer un truc très simple. Je vais leur dire, écoutez, l'application phi qui va de E1 dans E1, qui a n'importe quel vecteur x associé Rx, et donc elle est bien définie, parce que R de, enfin, E1 est stable par cette application, du coup, et donc un endomorphisme. Donc application linéaire, en soi, logiquement. D'un espace vectoriel dans lui-même, et donc un endomorphisme de E1. Cet endomorphisme sur E1 de dimension finie, parce que E1 est un sous-EV d'un espace vectoriel de dimension finie, est injectif, car R est inversible. Donc bijectif. Donc surjectif. Endomorphisme en dimension finie, l'injectivité entraîne la bijectivité, la surjectivité aussi entraîne la bijectivité. Donc surjectif, bah c'est génial ça. Du coup, s'il est surjectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout
t'élément de E1 pour tout Y appartenant à E1, eh bien, il existe un X appartenant à E1 tel que Y égale RX. Ça veut dire exactement que... Hop. Qu'est-ce que c'est au dos vous n'allez pas à savoir. Y et L. Donc, pour tout Y appartenant à E1, il existe un X tel que Y égale RX. Est-ce que j'ai bien établi que n'importe quel élément de E1 était l'image de quelqu'un, donc Y égale RX appartient à R de 1. J'ai établi que tout élément de E1 était inclus dans R de 1, appartenait pardon, à R de 1, et donc E1 était inclus dans R de 1. On a établi l'inclusion dans l'autre sens. Bon, flemme de conclure. Donc E1 égale R de 1, par double inclusion. Je pense, j'espère que ça vous aura plu malgré certaines interruptions qui, je pense, disparaîtront au montage, mais j'espère que ça fera pas trop long quand même. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression d'avoir loupé un des jeux de mots que je voulais faire, mais tant pis, c'est pas grave. Il y a une sorte de décollage d'avion, mais ça sera pour une autre fois.